Monsieur le pasteur Victor Hachoué, vous êtes jordanien et vous annoncez le Christ dans tous les pays arabes. حضرتك قسيس وأصلك من الأردن وتبشر باسم المسيح في الدول العربية. Oui, c'est mon travail. Je voyage dans les divers pays arabes et j'annonce l'évangile de Christ au travers de visites particulières et aussi au travers de la radio et de la télévision. Quels sont les pays que vous visitez ? La Mauritanie, le Maghreb en général, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye et le Soudan. Et aussi les autres pays arabes, tels que la rive ouest en Palestine, et dans les pays d'Asie comme le Pakistan. Ce sont des pays où l'on se demande si l'annonce du Christ est si bienvenue que cela par les autorités et par notamment les autorités religieuses et même politiques. Avez-vous cette liberté dans vos réunions publiques? Êtes-vous à même d'annoncer le Christ sans trop de difficultés? Il y a beaucoup de difficultés en effet, mais je crois que Dieu a envoyé une fin de lui sur la terre et cette fin a besoin du pain du ciel. Et cette fin se trouve dans le cœur de chacun, musulman ou non. Et lorsque j'annonce l'évangile de Christ, qui est le pain du ciel, alors beaucoup de gens le reçoivent au travers de ces visites personnelles ou dans les programmes radio ou télévision. Et je rends grâce à Dieu car actuellement nous assistons à une grande moisson et de nombreuses personnes reçoivent le Seigneur Jésus. Oui. Monsieur le pasteur Choué, y a-t-il des pays où on vous empêche de parler et où vous néanmoins arrivez à vous adresser soit aux individus, soit à des groupes, soit même à une foule, comme on me dit que vous le réalisez dans de nombreux pays où l'islam est une religion d'État. En réalité, les choses diffèrent d'un pays à l'autre. Dans certains pays, je parle dans l'église clandestine, qui est faite d'églises de maison. Et dans ces réunions-là, les personnes qui viennent, ça peut aller de 20 à 500 personnes. Il y a quelque temps, j'étais en Algérie et j'ai parlé dans une église où il y avait 500 personnes. Et ce jour-là, 30 personnes ont donné leur vie à Dieu. Et dans la même journée, 53 personnes ont été baptisées. Et lorsque j'étais au Soudan, par exemple, dans ce pays, nous savons que 23% des habitants sont chrétiens ou d'arrière-plan chrétien. Et je parlais dans une réunion où il y avait un grand rassemblement avec l'autorisation des autorités dans la ville de Khartoum. Et dans cette réunion en particulier, il y avait entre 75 et 80 000 personnes. Et dans la même journée, le nombre de personnes qui ont donné leur vie à Christ s'élève à 5 000 personnes.
certains venaient d'un arrière-plan chrétien, mais d'autres étaient d'arrière-plan musulman. Le message de Christ s'adresse également aux chrétiens comme aux musulmans ou aux autres religions. Car Christ nous a enseigné que nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Monsieur le pasteur, vous parlez de milliers de personnes qui se convertissent. En effet, c'est un chiffre considérable que des milliers de personnes se convertissent maintenant, et des dizaines de milliers, puisque ce sont les chiffres que vous annoncez. C'est un chiffre qui est absolument incroyable pour nous autres Français, où l'on parle plutôt de conversion à l'islam que de conversion venant d'islam, et particulièrement dans les pays musulmans. Les personnes qui se convertissent à l'islam n'ont certainement jamais été chrétiennes. Et ils sont passés d'une obscurité à une autre obscurité, c'est ce que je pense. Pour ce qui concerne les personnes qui se convertissent à Christ par milliers, si l'on prend l'exemple du Soudan, l'église dans ce pays, le jour où j'ai parlé, avait 300 personnes déjà qui étaient conseillées et qui ont parlé avec les personnes qui ont reçu Christ dans leur vie. Et ils ont pris l'engagement de visiter ces personnes deux fois par semaine et de les enseigner et après trois mois, les amener en tant que membres dans l'église. Dieu a promis d'envoyer la faim pour sa parole dans le monde et cette faim existe. Et c'est dans les cœurs que Dieu a semé cette faim de le connaître. Et lorsque j'annonce la parole de l'Évangile, beaucoup de personnes disent « c'est ce que je cherchais, c'est ce que je désirais, c'est ce que j'ai entendu la plupart du temps ». Et on m'a dit, mais pourquoi personne ne nous en a jamais parlé auparavant? Et c'est triste d'entendre une telle question être posée. Pasteur Ashoui, est-ce que vous pourriez nous dire dans quel pays vous avez eu le plus de, et vous avez rencontré le plus de difficultés? Dans tout pays où il y a beaucoup de fruits, il y a encore plus de difficultés. Et les fruits les plus grands que j'ai rencontrés dans ces pays se trouvent en Algérie, au Soudan et en Irak. Ce sont les pays où il y a le plus de difficultés. Mais c'est aussi le pays où il y a le plus de fruits. Vous parlez de plus de fruits, cela fait combien d'années et combien de découvertes du Christ peuvent-elles être recensées, puisque les Français aiment beaucoup les chiffres. Depuis le début de votre mission d'évangélisation. En réalité, nous avons à notre possession quelques chiffres, mais il y a un plus grand chiffre encore que nous ne connaissons pas. Du fait des difficultés que rencontre une personne en se convertissant à Christ, il y a beaucoup de difficultés vis-à-vis de la famille, de la part de la société, des autorités du pays. Alors, en général, nous n'avons pas connaissance de toutes les personnes qui se convertissent. Mais je peux affirmer qu'il y a des dizaines de milliers
dans les pays arabes, que ce soit au Maghreb ou au Moyen-Orient, qui connaissent le Seigneur Jésus. Certains sont connus et d'autres le vivent dans le secret. Et en Arabie Saoudite aussi, vous êtes allé? J'ai appris qu'en Arabie Saoudite, aujourd'hui, il y a au moins 50 000 chrétiens saoudiens. D'origine saoudienne. Oui. Et ce chiffre, je l'ai entendu de plus d'une source. Et j'ai personnellement visité ce pays. Et quand vous allez en Algérie, est-ce que vous n'avez pas de difficultés avec la douane et avec la police, comme le disent un certain nombre de nos amis, notamment de Kabylie, lorsqu'ils arrivent avec des Bibles et qu'ils rencontrent des communautés chrétiennes qui sont plus nombreuses? Lorsque je vais en Algérie ou dans des pays de ce genre, en général, je ne fais pas de publicité pour mon arrivée. Et je n'informe pas de mes réunions, ni du moment où j'arrive ou où je pars. Et je crois que Dieu, qui a ouvert les yeux des aveugles, ferme aussi certains regards lorsque j'arrive dans ces pays. Et jusqu'à présent, Dieu a ouvert une porte et cette porte est toujours ouverte. On me dit que vous avez été à un moment donné mis en garde pendant, arrêté pendant quelques heures en Algérie. Que s'est-il passé? Dans un pays d'Afrique du Nord, en effet, il y a eu une enquête au cours de laquelle Dieu s'est glorifié. Et j'étais avec mon épouse et nous avions une paix incroyable. Et pendant que nous étions interrogés, on arrivait à chanter des cantiques. Et Dieu nous a fait sortir de là au travers d'un miracle. Pendant le moment où nous étions en interrogatoire, Dieu a donné une vision à une sœur qui a prié pour nous. Et lorsqu'elle a prié pour nous, Dieu a entendu sa prière et ses supplications et nous avons été libérés sans souci. C'est le travail du corps de Christ que chacun d'entre nous prie pour les autres et se tient aux côtés des autres. Et je rends grâce à Dieu pour le corps de Christ qui est vivant et qui intercède les uns pour les autres. Pasteur Victor Hachoué, pouvez-vous nous dire si les personnes que vous rencontrez et qui découvrent la gloire et la beauté du christianisme se réunissent ensuite, quel est le suivi? Comment peuvent-ils se retrouver et pratiquer leur foi? Je me souviens d'une personne en Algérie qui a ressenti une faim énorme pour la connaissance de Christ. Et cette personne s'est rendue en Égypte pour essayer de trouver une réponse à ses questions. Et Dieu l'a conduit vers un frère égyptien qui l'a conduit vers le Seigneur Jésus. Cet homme est retourné en Algérie, puis a rencontré des frères en Algérie. Et il s'est engagé avec eux dans les réunions de maison. Et il a étudié la parole de Dieu sur place. Et aujourd'hui, c'est un membre actif du corps de Christ. Et je rends grâce à Dieu de ce que dans la majorité des villes de ce pays, il y a des réunions dans les maisons.
Et le nombre peut aller de 20 à 500 personnes. Peut-on dire, monsieur le pasteur Achouet, que la propagation du christianisme dans les pays musulmans, c'est comme celle de la poudre qui enflamme progressivement tous les lieux. Cela est vrai, il y a plusieurs raisons pour cela. Beaucoup de gens disent que Dieu nous est présenté plus souvent que la religion que nous pratiquons. Il est dit que Dieu a mis, dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu a mis un vide dans nos cœurs et qu'il y a un sentiment d'insatisfaction avec la simple pratique de la religion. Et donc il y a une recherche pour quelque chose de plus grand, de plus profond. Et lorsque les gens entendent le message du Christ, soit par la radio ou par la télé, ou même par des personnes qui les leur annoncent, ou simplement par le témoignage de personnes sur place, ils disent « et c'est bien ça que je cherche ». Et c'est pour cela qu'ils acceptent Christ. Bien sûr, ils rencontrent beaucoup de problèmes. Mais comme je l'ai dit, le Seigneur ne nous a pas seulement promis le pardon pour nos péchés et la vie éternelle lorsque nous le recevons comme sauveur de nos vies, mais il nous a aussi promis la persécution. Seulement, au milieu de la persécution, il a dit « Je suis avec vous ». Et je connais beaucoup de témoignages de personnes qui ont ressenti la présence de Dieu avec eux, y compris en prison. Cette intuition qui est dans le cœur de tout homme, de Dieu, de tout homme, quelle que soit son origine, sa religion, son âge, ce sens du beau et du vrai et du bon qui est naturel en chacun d'entre nous, correspond-il beaucoup mieux au dogme chrétien que l'islam? Toute personne est ce qu'elle est en dehors de son origine religieuse. En chacun d'entre nous, Dieu a mis cette dimension de l'éternité de façon à ce que nous puissions accepter la vérité lorsque nous l'entendons. Je connais un musulman en Palestine qui cherchait la vérité. Et un jour, il a rencontré des témoins de Jéhovah. Mais après les avoir écoutés un certain nombre de fois, il a dit « Non, ce n'est pas cela la vérité ». Et Dieu a envoyé vers lui des personnes qui lui ont parlé de la vérité de Christ. Et là, il a accepté cette vérité qui est Christ. Et là, il a été libéré et renouvelé en Christ. Donc le christianisme répond d'une façon éminente, d'après votre expérience, monsieur le pasteur Achouet, du cœur et de l'esprit des personnes que vous rencontrez dans les pays arabes. Je voudrais d'abord dire que j'annonce le Christ. Je ne parle pas de mon propre témoignage. Mon témoignage n'est que une illustration. Et je dis, voilà ce que dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vraie. Et moi, je l'ai expérimentée. Mais que je l'ai expérimentée ou non, la parole de Dieu demeure vraie.
Mais lorsque je parle de l'expérience que j'ai pu faire de la parole de Dieu, ça donne une plus grande puissance, plus de sens pour la personne qui écoute. Et je partage beaucoup le témoignage des autres aussi qui ont fait l'expérience de la puissance de Dieu et dont les vies ont été transformées. Par exemple, mon épouse et moi, nous faisons beaucoup de réunions avec les couples. Et dans un des pays d'Afrique du Nord, nous avons entendu parler d'une famille entière qui a accepté le Seigneur au travers d'une session que nous avons réalisée sur la vie de couple. Simplement parce que nous avons dit que le Seigneur est entré dans notre vie et qu'il nous a transformés. Mon épouse et moi, à un moment donné, nous étions au bord du divorce après 9 ans de mariage. Mais Christ est entré dans nos vies et nous sommes nés de nouveau à ce moment-là, mon épouse et moi, et notre vie conjugale a été renouvelée. Et aujourd'hui, nous avons 29 ans de marche dans cette vie conjugale renouvelée. Monsieur le pasteur Achoué, en Égypte, avez-vous des expériences à nous expliquer? Je sais qu'un grand nombre de ceux qui ont cru en Christ et étant d'arrière-plan musulman en Égypte, sont également, non pas, ne se comptent pas par milliers, mais par dizaines de milliers. Et je vais vous raconter une histoire que je connais personnellement de quelqu'un qui vit dans le sud de l'Égypte, un ancien musulman qui a cru en Jésus-Christ et qui avait une telle joie dans sa foi qu'il annonçait l'évangile dans la rue. Il a été convoqué par la police. Et en même temps, ils ont fait venir un chef religieux pour parler à cet homme et le ramener à l'islam. Et lorsque le chef religieux a rencontré cette personne, et donc cet homme lui a dit « Depuis combien de temps es-tu chrétien ?» Il a répondu « Depuis 3 semaines ». Et ce chef religieux lui a dit « Eh bien moi, je suis croyant depuis 3 ans ». Croyant chrétien. Et c'est une histoire vraie. Et c'était un imam. Oui. Donc il y a beaucoup de musulmans que l'on croit musulmans, mais qui sont secrètement chrétiens. En effet, ils se comptent par milliers, ceux qui vivent leur foi dans le secret. On peut donc parler maintenant, au XXIe siècle, il y a des églises chrétiennes du silence. En effet, et je crois que il y a entre 15 et 20 millions arabes d'origine musulmane qui sont devenus chrétiens dans ces pays. Certains sont devenus chrétiens et nés de nouveau. Pour cela, ils sont à peu près 1 million. Mais je suis persuadée que le nombre de croyants d'origine musulmane est bien plus grand que 1 million. Et ainsi, nous pouvons dire que le nombre de chrétiens d'arrière-plan musulmans est plus important que les chrétiens d'arrière-plan chrétiens, de véritables convertis. Et ceci, nous pouvons dire que c'est la première fois que cela se produit depuis le commencement de l'Église, depuis l'avènement de l'islam aussi. On nous dit, monsieur le pasteur Achoué, qu'il y a de plus en plus d'apparitions dans les pays musulmans.
dans le cœur et même des visions, des apparitions de la Vierge Marie et de Jésus parmi des musulmans qui sont même isolés de tout contact avec le christianisme. Est-il vrai que le Saint-Esprit souffle d'une façon de plus en plus puissante dans les pays musulmans actuellement? Personnellement, je connais un grand nombre de personnes qui ont expérimenté la présence de Dieu par des visions et par des rêves. Et eux-mêmes m'ont parlé de ces révélations. Leur nombre est très grand. Nous en connaissons certains, mais nous ne les connaissons pas tous. C'est pour cela que je crois que nous serons très surpris lorsque nous arriverons dans l'éternité. Parce que nous allons y trouver des personnes dont nous n'aurions jamais cru qu'elles pouvaient se trouver avec nous. Je peux vous parler d'une personne qui habitait chez nous en Jordanie et qui était d'arrière-plan musulman. Un jour, il a demandé une Bible et il m'a dit qu'il a fait une rencontre avec le Seigneur dans une vision. Et le Seigneur Jésus lui a parlé au travers de cette vision et lui a dit: va et annonce la parole de l'Évangile partout, en tout lieu. Et il m'a dit: mais quelle est la parole de l'Évangile et comment est-ce que je l'annonce? J'ai parlé avec lui de ce que signifie la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a donné sa vie à Christ. Et je connais un grand nombre de personnes qui ont fait l'expérience de Christ au travers d'un rêve, au travers d'une vision. Et on peut dire qu'il y a un véritable travail du Saint-Esprit dans les pays musulmans. Et la parole de Dieu nous dit: et il se passera que dans ces temps-là, j'enverrai de mon esprit sur toute créature. Vos jeunes filles auront des visions et vos vieillards auront des songes. Monsieur le pasteur Victor Achouet, donc vous semblez dire que l'évangélisation dans les pays musulmans, même les pays musulmans où il y a très peu de chrétiens officiellement, que cette évangélisation au fond n'est pas difficile. Merci de votre réponse. La vérité est que chaque musulman peut devenir chrétien. Permettez-moi de vous dire la chose suivante et de la diriger à mes frères, vers mes frères et sœurs chrétiens en Europe. Vous avez un champ libre en Europe. Vous avez plus de 20 millions de musulmans qui vivent en Europe. Et nous pouvons atteindre chacun d'entre eux par la bonne nouvelle de Christ. Et je prie que Dieu envoie un véritable réveil dans l'Église en Europe. Que les chrétiens en Europe puissent eux-mêmes expérimenter en vérité la présence de Christ et qu'ils puissent en témoigner à leurs frères qui sont musulmans dans ces pays et qu'ils puissent annoncer l'Évangile. Et je prie que le Saint-Esprit embrase l'Église en Europe. Au nom de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas tout simplement réveiller dans le cœur de chacun l'amour, la liberté, la responsabilité, l'initiative, toutes ces réalités que le christianisme développe et pratique, contrairement à d'autres. N'est-ce pas là un immense cadeau que nous pouvons partager avec les musulmans?
Quiconque a fait l'expérience d'une transformation par Christ dans sa vie ne peut pas faire autrement que d'en témoigner. L'aveugle qui a été guéri par le Seigneur Jésus a été le crier partout « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Et ma prière, c'est que la parole de l'Évangile devienne une réalité dans la vie de chacun, parce que je ne peux témoigner que de ce que j'ai expérimenté. Le Seigneur m'a transformé, m'a donné une vie nouvelle, un cœur nouveau. Le Seigneur Jésus m'a rempli de son Saint-Esprit et il m'a donné un message à présenter aux autres. Et je témoigne de ce message dans ma vie, premièrement, et puis au travers de ce que je dis. Et je prie qu'il y ait une transformation réelle dans nos vies, parce que seulement après, nous pouvons en témoigner de nos bouches. Et le message de Christ, c'est un message de paix, de vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est donc une expérience, c'est une réalité que vous expérimentez chaque jour avec des résultats qui sont visibles. Mais il y a, comme il est écrit, il y a peu d'ouvriers si la moisson est abondante. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples levez vos têtes car la moisson est blanche. Le problème n'a jamais été un problème de moisson parce que la moisson a toujours été abondante. Le problème, ça a toujours été les moissonneurs qui sont en petit nombre. Et je prie que chaque personne qui a fait l'expérience de Christ comme sauveur dans sa vie puisse avoir une sphère d'influence et qu'il puisse lever les yeux, les détourner de lui-même et voir les autres qui n'ont pas encore fait cette expérience de Christ. Et particulièrement un grand nombre de musulmans qui se trouvent en Europe. Et alors seulement, il verra une transformation dans sa vie. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il y ait ici en France des milliers de croyants d'arrière-plan musulmans. Et mon vœu, c'est qu'il y ait des milliers de musulmans qui entendent la parole de Dieu et qui la transmettent dans tous les pays d'Europe et dans les nations du monde. Pasteur Victor Hachelet, avez-vous, pour terminer, des recommandations et des conseils à donner aux Européens? Alors, je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité de parler et je voudrais dire qu'il est indispensable que l'Europe revienne à Christ. Aujourd'hui, l'Europe est devenue champ missionnaire. Alors qu'au départ, l'Europe a envoyé des missionnaires dans le monde entier. Aujourd'hui, le moment est venu pour écouter les personnes que Dieu a envoyées vers nous. Je prie pour que chaque personne qui entende cette émission puisse accepter le Seigneur Jésus comme sauveur pour sa vie, puisque Jésus est mort pour lui. Et lorsque nous recevons de lui cette vie nouvelle et que le Saint-Esprit de Dieu nous remplit, alors à ce moment-là, nous pouvons aller partout et nous annonçons la parole de Jésus au travers de ce que nous vivons et au travers de ce que nous disons. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Et ce sera peut-être le meilleur moyen de garantir la paix sur ce continent. Absolument. Merci à Fatna pour cette traduction. Merci. Au revoir, monsieur le pasteur.